Hey yo la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une affaire. Une affaire très très sérieuse qui fait bruit sur la toile. En fait, je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas parler de cette affaire. Mais j'aimerais dire une vérité aux hypocrites africains. Je vous regarde droit dans les yeux. Et je vous dis, arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez de faire semblant en fait. Vous vous foutez des gens en fait. Moi je vois les gens s'acharner sur la petite fille. Ouais, elle fait, la publicité de la pornographie. Elle essaie de montrer aux jeunes filles, oh, c'est monté, c'est descendu. Et ce n'est pas Diana Boli qui éduque vos enfants. Arrêtez l'hypocrisie, sérieux. Les mêmes personnes qui s'acharnent, ce sont les mêmes personnes qui aiment ce genre de publication quand c'est Beyoncé, quand c'est Rihanna. Ils partent liker. Parfois, ils partagent même. Pourquoi ? Vous pensez que ce que Beyoncé publie là et que vous arrivez à voir là, si vos enfants sont sur Facebook, ils ne vont pas voir. Si vos petits-enfants sont sur Facebook, ils ne vont pas voir. Ce sont les personnes qui s'acharnent sur Diana Boli. Ce sont les personnes qui s'acharnent sur cette petite fille qui sont les premiers à télécharger les pornos pour regarder. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a les gens qui aiment ça, mais préfèrent crier pour se faire remarquer. Je ne voulais même pas faire une vidéo sur ça. C'est pour cela que je ne mets pas la photo là sur ma vidéo. Parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est vous. Vous qui faites comme si vous aimez trop les mœurs africaines. Oh, ceci, oh, cela. Hey, arrêtons un peu. Vous aimez ça. Et c'est vous qui faites le bruit autour. C'est vous qui faites que ça devient un buzz. Et c'est ça le but de mon message aujourd'hui. Arrêtons un peu de donner du buzz à ce qui ne doit pas être du buzz. Si vous n'aimez pas, si vous défilez, vous voyez la photo de Diana Boli, ça ne vous plaît pas, vous êtes contre, passez. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça, mettre sur votre statut. Vous cherchez aussi des likes. Vous cherchez les commentaires. Certaines personnes cherchent des likes. Certaines personnes cherchent des commentaires. Parce qu'ils savent. Ils connaissent les internautes. Arrêtez un peu. Arrêtons l'hypocrisie. Vous aimez ça. Mais vous faites semblant de ne pas aimer. Vous ne savez pas que le fait de partager ça, de faire que ça soit un buzz, c'est ça qui fait que les enfants vont chercher à aller voir. Or, si tu défiles, ça ne t'intéresse pas. Tu passes. Tu n'es pas obligé de parler, tu passes. Si on fait ça à 3-4 publications de Diana Boli, elle va changer. Elle ne va plus publier. Pourquoi? Parce qu'elle voit que ça n'intéresse personne. Personne n'en parle. Mais le fait de parler, elle va encore préparer encore une autre publication. Elle va encore préparer encore d'autres photos. Puis pire que ça, elle va sortir avec. Parce qu'elle sait qu'il y a les chiens qui vont aboyer. Elle sait qu'il y a les chiens qui vont crier. Vous parlez, vous faites semblant d'être intelligent, mais vous n'êtes pas intelligent. Réfléchissez un peu. C'est quoi la fin? C'est vous qui faites le buzz. C'est vous qui faites le buzz. Et vous aimez ça. Vous aimez que les gens viennent commenter quand vous publiez les genres de trucs. Toujours en train de se justifier. Ouais, pour la, ouais, les enfants. Laissez les enfants. Ces enfants-là. Si vous les laissez la liberté de venir sur le net, sur Facebook, sachez qu'ils voient aussi pour Rihanna, ils voient aussi pour,
pour Beyoncé. C'est le fait de crier, de faire comme ça, de donner du buzz à ça. Vous êtes en train de dire à l'enfant que voici la manière de faire le buzz. Or, si vous avez vu cette photo, vous passez, si vous ignorez cette photo, je pense que ça ne sera pas un truc interdit pour nos enfants. Même si l'enfant voit ça, il ne va pas donner de la valeur à ça. Mais c'est ce que vous créez autour là. C'est ça qui va faire que l'enfant va dire que « Ah, elle a fait ça, mais ça a créé un buzz. Les gens ont parlé, demain je vais aussi faire ça. » C'est vous qui tuez l'avenir de la... C'est vous qui tuez l'avenir de vos enfants. Arrêtons un peu. On ne peut pas voir un truc sans parler, défiler. C'est vous qui aimez même plus que vous vous acharnez sur la fille. C'est vous. Toujours avec ces trucs. Ouais, l'Afrique, l'Afrique. Sachez que Diana Boli n'est pas l'éducatrice de vos enfants. N'est pas l'exemple de vos enfants. Vous devez vous battre pour être vous devez vous battre pour être des exemples pour vos enfants. Donnez l'éducation qu'il faut à vos enfants. Arrêtez de faire comme si vous êtes trop sain. Alors que vous êtes des pervers. D'autres même crient sur ça en public, prennent ces photos-là pour se masturber en privé. C'est quoi? Vous ne pouvez pas ignorer un truc une fois. Si ce n'est que moi, en fait, si Diana Boli a décidé de faire ça, elle va le faire. Elle va le faire. Mais si ça ne m'intéresse pas, je ne dois pas parler de ça. Moi, je viens parler parce que c'est de trop. Vous là, vous donnez trop d'importance à ça. Vous donnez trop de buzz à ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas être long dans cette vidéo. Franchement, laissons la petite. Laissons la petite. Vous n'êtes pas intelligent. Et elle vous manipule, elle vous tire comme ça. Elle sait que si je fais ça, je tire vos poils, vous allez sauter. C'est ça. C'est ça. En tout cas, j'en ai fini. Merci aux éclaireurs. Partagez la vidéo. Et arrêtons l'hypocrisie, en fait. Je vous aime.